Est-ce que je ne suis pas floue? J'ai pas l'air. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis dans l'allée des écuries. Après la journée dernière séance de saut avant le concours, la semaine avant le concours plus le concours, là aujourd'hui nous sommes le lendemain du concours et du coup je vais vous montrer tout ce que je fais en lendemain. C'est-à-dire déjà, un, ranger tout le matériel puisque j'ai juste laissé ça comme ça, rien rangé. Et qu'est-ce que je m'occupe de la jument du coup en lendemain de concours. Donc c'est parti. Voilà. L'étendue du bazar et j'ai même mis un seau au-dessus. Bon, je pense que je vais d'abord m'occuper de la jument et on s'occupe de ça après. T'as le nez qui coule. Bon, il est tout sale, mais voilà, petit massage du dos et des tendons avec le kinésé. Ça va ma fête, tu profites? Allez, on est parti. J'ai pris une petite paire de rennes allemandes que j'ai mis à la sang, plus ma petite paire d'éperons pour vraiment qu'elle engage derrière et qu'elle vienne s'étendre devant. Le but, voilà, ça va être de faire une détente vraiment avec de la décontraction.
Eh bien, il fait pas très beau en ce moment. J'ai fini de ranger mon matériel et j'ai mis des petites choses en évidence puisque demain, ce n'est pas moi qui viens monter Vanille. C'est une copine qui avait une jument qui a été vendue, enfin une jument confiée qui a été vendue et elle va faire une balade avec une autre fille des écuries. Or du coup, bah, je lui prête Vanille, donc Vanille elle va aller se faire une petite balade demain. Et eh bien voilà, pour la veille de concours, comme vous avez pu voir, je fais beaucoup de soins par rapport au tendon. Ça je pense que c'est plus psychologique que vraiment réel. Enfin, c'est pour être sûr de ne pas, enfin, de faire au mieux pour éviter d'autres problèmes au niveau des tendons. Mais voilà pour ce lendemain de concours. On se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye.